Et voilà, désolée, j'étais au téléphone. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà, comme j'ai écrit, j'utilise ma toute nouvelle tablette, ma Ouyon, jamais la référence. Et la boîte est partie. J'étais 191, je crois. Je crois que c'est celle-là. Elle est vraiment géniale. Moi, je suis fan. Je vais prendre une brush normale. Je vais effacer déjà ça. On va prendre une gomme, n'importe quelle gomme. Celle-là, ça fonctionne. Au départ, j'utilisais en fait le screen protecteur. On peut dessiner dessus avec le screen protecteur, ça va, mais moi, ça me perturbe. Parce qu'en fait, il laisse des traces d'électricité. C'est un petit peu comme s'il y avait l'électricité statique qui collait le plastique à l'écran. Et moi, c'est comme si s'il y a des bulles d'air dans une protection écran, moi, ça va me perturber. Là, c'était le cas. Des fois, je le mets, des fois, je l'enlève. Là, je travaille un peu sans. J'ai juste peur d'abîmer l'écran. C'est tout nouveau, faut pas que j'abîme, hein. Je vais prendre cette broche-là. Et on va faire... Et pourquoi j'ai un trait noir comme ça? Ah, il m'a compté. Pas là. On n'a rien vu. Donc voilà, j'ai pu faire un petit peu ce matin les sourcils de Legolas avec la nouvelle tablette. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez bien. Voilà. Je suis maître de mon trait. Et c'est beaucoup plus précis depuis. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Il me fusque un peu mieux que moi. Celui-là pour les sourcils. Voilà. Et pour vous montrer un exemple. Sensibilité est énorme. Je peux vraiment rajouter des tout tout fins détails. C'est vraiment comme si en fait j'étais sur papier. Et ça, moi je trouve ça génial. Avec les options CTRL-C, CTRL-V, bien sûr. Et retour en arrière. En gros, ce qui nous manque sur papier. Par contre, c'est pas facile de placer la caméra quand je suis dessus, mais... Oui, à l'écran, c'est fort bleu, mais j'ai un reflet bleu dans le visage. C'est normal. L'écran. Je vais vous la montrer un petit peu. Attention, oh bordel. Voilà. Pas facile comme ça. Vous avez un petit peu la vue de mon nouvel écran. Et donc je travaille directement sur l'image. On va essayer de remettre la caméra à sa place maintenant. Ça c'est le plus dur. Hop là. Voilà. Le plus important ici, c'est l'heure en elle-même. Je me suis aussi permis de refaire un petit peu les yeux. Et voilà. Je n'occupe pas à commencer à travailler les cils, que je vais reprendre la couleur. De base, que je t'avais dit. Non, trop long.
Et ce que je trouve aussi génial avec cette tablette, c'est qu'elle s'adapte assez facilement sur PC. Coucou Charles, comment ça va? Comment ça va? Vous entendrez certainement mon stylet qui tape un petit peu sur l'écran, c'est normal. On va aller, nous. Enfin, moi je vais aller. Petit souci d'estomac ces derniers temps. D'où le fait que certains lives tombent. Notamment celui de demain va tomber. Ici, ta caméra. Et ici. Voilà. Celui de demain risque de tomber fortement. Parce que bon, bah, c'est bientôt Noël, il faut un petit peu que je me repose. Pour l'instant, mon estomac me fait énormément de soucis. Mais bon, rien de grave. Hein. On va bientôt aller voir le médecin pour voir s'il n'y a pas moyen de... que je puisse ne fût-ce que digérer ce que je mange. C'est fatigant. Fatigant de passer... au moins 10 minutes à manger. Enfin, 10 minutes à manger 3 pâtes. Et essayer de les digérer. Enfin, y a pas de soucis, Charlie. C'est pour ça que je me repose généralement en après-midi. Donc, je vais essayer de tenir le stream jusqu'à 3 heures de l'après-midi aujourd'hui. Et après, j'irai me reposer. Comme ça. J'aurai peut-être plus d'énergie pour manger ce soir. Oui, voilà, exactement. Voilà, pour ceux qui veulent voir mon nouveau joujou, sur lequel je ne suis pas dessiné actuellement, plus en détail, vous avez la petite vidéo unboxing de la vidéo, de la tablette en question. Et si vous êtes à la recherche d'une tablette graphique avec écran, comme la mienne, je ne peux que vous la conseiller. Elle n'est pas trop chère par rapport aux autres tablettes dans le même style. Il y en aura moins cher. Ça, c'est toujours... Mais voilà, celle-là se rapproche énormément des Cintiq. Donc, sans en être. Mmh.
au niveau de la peau. Voilà. Celui-là. Et ça. J'essaie de retrouver le calque qui est à cette zone-ci parce que je la trouve très très foncée. Ah, voilà, je vais venir un petit peu adoucir. À mon avis, je vais faire un stream lundi pour Noël. En gros, je vais déballer mes cadeaux. Parce que certains viewers se sont amusés à m'envoyer, je ne citerai personne, Octolia, à m'envoyer des colis et à me demander de ne les ouvrir qu'à Noël. Donc, on ouvrira le tout ensemble. Et on ouvrira celui-là ou c'est pas celui-là, je pense pas. Il y aura mon avis. Ouais, c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là. donc je disais, on ouvrira les cadeaux ensemble lundi. En journée ou en soirée, à mon avis, sera plus en soirée. Parce que la veille, j'aurais fait le réveillon avec ma belle famille. Se reposer un peu avant de l'aller. Voilà. Et après, on verra. J'essaie de procéder d'élimination, de trouver le bon calque. Oui, c'est celui-là, on l'a trouvé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une autre brush, mais qui mélange, genre celle-ci. Non, pas celle-là. Ah, voilà, c'est ça. Je vais adoucir un petit peu. Les zones ici, on est vraiment l'impression d'unité. C'est déjà plus correct, ça. Ah, voilà. Juste un petit peu atténuer les ombres ici. Si je n'y touche pas, ils sont forts dans l'ombre, donc ça peut garder le contraste. On va passer aux cheveux, mais avant, on enregistre. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà. J'espère que vous passerez quand même de bonnes fêtes. C'est les cheveux qui vont me donner le plus de fil à retordre. Augmenter un peu l'opacité ici. Je vais récupérer la couleur et je vais changer de broche. Celle-là, je l'aime bien. Pour l'instant, j'ai masqué tout ce qui était arc et flèche ainsi que la cape. C'est ce que je ferai après. Je me sentais l'envie de faire les cheveux.
Ah, ben normalement, oui. Normalement, tout devrait bien se passer. Avec cette... J'adore parce que je peux aller. Je décide de rajouter une mèche. Je rajoute une mèche. Je vais me permettre de rajouter un peu ici, même si je sais j'irai l'enlever juste après. J'ai l'impression d'avoir du papier en main, c'est génial. Dire que j'ai hésité pendant si longtemps. Enfin, je l'ai, c'est le principal. Toujours des petits cheveux. Hein. Chose que je pourrais reprocher, c'est le stylet qui est comme moi, je porte des gants, justement, pas que ma main accroche sur l'écran. Moi, j'ai du mal à agripper un peu le stylet, il tourne très très vite dans ma main et pas vraiment de trucs pour bien l'agripper. Bon, c'est des détails. Des détails. Coucou Eldotia, c'est le stylet de ma tablette et c'est une Ouyon avec écran intégré. Donc c'est un stylet qui est rechargeable par USB. Donc voilà. Stylet qui était livré avec ma petite tablette et même j'en ai eu même un deuxième en cadeau. Très gentil. Tu as une tablette aussi? Faudrait que
Moi, mon ancien stylet, c'était celui-là. Avant, j'étais avec une Wacom. Wacom, eux, ils ont justement cet avantage-là. Cette partie-là, plus grise, ça s'accroche mieux. Ici, il y a froid. Bon, je pense pas que je pourrais le mettre. Non, ça ne se mettra pas. Pas grave. Ah oui, une 27, ouais, c'est quand même assez grand, en effet. Oh, bah, plus c'est grand, plus t'as la place pour dessiner. Hein. Moi, elle est aussi grande que mon ancienne Wacom. Mais l'écran est beaucoup plus grand, du coup. Moi, je suis très contente. J'ai plus les spécificités, mais... Ouais, il suffit de faire une petite recherche. Ouyon GT191. Et vous l'avez. 191, normalement, c'est ça. Pour les Français. Ah oui, les trucs de livreur. Ouais, c'est parfois un peu déroutant, les livraisons. C'est vrai que les synthiques sont géniales. Bah franchement, moi je suis passée de Wacom à Ouyon. J'ai pas de soucis. Ça c'est... J'ai pu l'installer hyper rapidement. J'ai dû modifier un des raccourcis pour le stylet, mais voilà. Ben moi je l'ai eu à quoi? Deux semaines peut-être? Je ne sais pas, faudrait regarder depuis quand la vidéo unboxing est là. Mais sinon... C'est vrai qu'au départ moi j'ai hésité. J'ai d'abord regardé beaucoup de vidéos sur les Ouyon. Puis j'ai vu notamment celle que j'ai en review sur internet et j'ai regardé. Je fais ouais, elle a l'air pas mal. Et bon, bah, c'était une artiste que je suivais depuis un moment, et comme je la voyais la tester, je fais ouais, elle a pas trop de mal. Même si elle est sur Mac. Elle a eu un petit souci pour l'installer, mais comme elle est sur Mac, c'est peut-être pour ça. Moi, j'ai eu aucun problème. Je l'ai installée, je l'ai mis en route. Mais si, il y a eu un seul souci qui est visible dans la vidéo, c'est au moment de l'unboxing, c'est j'ai reçu la mauvaise prise. Mais bon, ça c'est un détail, et j'ai vite trouvé de quoi faire. Coucou Vi, comment ça va? Bah, moi, celle que j'ai vue, elle le dit clairement, elle l'a reçue en cadeau, elle n'est pas payée pour, machin. De toute façon, elle a toujours été assez franche à ce niveau-là. Il y avait des trucs qu'elle aimait pas, elle les a dit, des trucs qu'elle aimait bien, elle les a dit. Voilà. Moi, il n'y a pas de souci, je l'ai acheté. Prochaine fois, je passerai peut-être par Amazon parce que ça m'est revenu beaucoup plus cher finalement. Que prévu. Mais voilà. Mais sinon, point de vue sensibilité, voilà, c'est. Regardez ce que je suis capable de faire. C'est vrai, t'attends depuis hier ton colis? Moi j'ai pas de problème avec Amazon. Si on a eu une fois un souci, mais c'était autre chose. Et le colis, il manquait quelque chose dedans. Mais ça, ils nous ont directement rendu le bazar, renvoyé un autre colis, c'est arrivé direct. Bon, je suis aussi Prime, hein. Mon chéri est Prime, donc voilà. Ah, il a pas...
façonner. Ah ouais, carrément. Ouais, ça c'est pas sympa, ça par contre. J'avoue que moi, si j'avais dû aller la chercher à la poste, j'aurais pas su. J'aurais pas su, elle est trop lourde. La boîte était énorme. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas se payer une Cintiq, comme je sais que les Cintiq coûtent la blinde, ils peuvent prendre celle-là. Hein. Elle est moins chère et franchement, elle est géniale. Oui, attends, il n'y a pas de souci. Je lis juste le chat 5 minutes. Oui, ça, j'avais lu. Ouais. Ah bah tu vas rire, mais je crois qu'avec tous les frais en plus, donc les frais de port et les frais d'import, les frais de douane, je crois que ma tablette m'est revenue presque au même prix. Faudrait que je fasse un petit peu le compte. Non, qu'est-ce que je dis? Non. Beaucoup moins. Quand même un peu moins, mais ouais. Oh ça va, j'ai vu des Cintiqs à... Ou c'est peut-être la dernière... Ouais, j'ai vu des Cintiqs à 2000, donc... Voilà! Et voilà le dessin en entier. Ah oui, non, mais le Bob Lennon, je l'ai loupé, hein. J'ai oublié de lui faire sa barbe. Ah, c'était peut-être le... si tu l'as... Ça dépend quand tu l'as commandé, il y a eu les Cyber Monday et il y a eu les Black Friday, les Black Friday. Ouais, les Cintiqs. C'est Wacom, les Cintiqs, et c'est super cher, mais c'est du matériel hyper pro. Ça, voilà, c'est des grosses tablettes, un peu comme moi j'ai, vie. C'est un peu comme la nouvelle tablette que je me suis achetée, mais voilà. Ouais, écoute, si t'as payé moins cher, on va pas s'en plaindre. Donc voilà. Mais le Bob Lennon que j'ai fait, faut que je le refasse en fait. Parce que déjà, c'était pas le bon papier. Et te j'ai loupé. Ou c'est des tablettes graphiques avec écran intégré normalement. Je pense qu'elles sont. Elles sont presque. Les Cintiq, c'est d'office avec écran intégré. Ou alors je fais une erreur, je ne sais plus. Mais voilà. Mais les Cintiqs, c'est dans le même truc que ce que moi j'ai fait. Que ce que moi j'ai, mais. En beaucoup plus professionnel, on va dire. Et en beaucoup plus cher. Pour celle que moi je visais à la base. Moi j'ai bien un grand. Non, non, oui, j'ai pas fini, regarde. Ça, c'est le line art que je vais virer. Il me reste toutes les ombres et les lumières à mettre dessus. Hein. Je suis occupé par définir la forme, c'est tout. Sauvegarder. Ah, moi j'adore. Tout ce qui est drapé, cheveux, j'adore. Moi, c'est le genre de truc qui rend les gens dingues. Et moi, j'adore ça. Il n'y a qu'à regarder comment moi je me suis éclatée, genre sur ces parties-ci. Tu vois, je me suis amusée, tous les petits détails et machin. Et puis, principalement ici, au niveau du pantalon, je me suis éclatée. Il y a des zones à retravailler, puisque bon, bah, ça j'ai fait avec mon ancien Wacom. Ah non, pas entièrement, vie. J'ai toujours mon estomac qui foire.
Mais bon, ça va mettre du temps à s'en remettre. Donc voilà, on va essayer un petit peu d'avancer au niveau des cheveux aujourd'hui. Ah oui, j'avais trouvé une palette et je me disais que j'allais peut-être l'utiliser. Ou pas en fait. Moi non. Si, pour donner quelques petits reflets. Coucou Talion, comment ça va? On récupère celle-là. Oui. Voilà, la teinte la plus claire possible. Ah oui, non, mais je crois que la dernière fois, c'est parce qu'il y avait l'alerte du follow qui est tombée en même temps. Ah, moi, mes alertes de follow, des fois, je suis tellement concentrée dans ce que je fais que bah, ça me fait sursauter à chaque fois. Sauf si j'arrive à le lire à l'avance. Comme là, je viens de le voir dans le chat, donc... Je sais qu'elle va arriver. Eh ben non! Ça m'a quand même fait sursauter. Merci Lifolo et Eldotia. C'est à chaque fois, hein. Ça c'est... Je peux toujours essayer de foncer. Si je prends la même couleur, ça va pas aller. Vous inquiétez pas, si vous me faites sursauter, c'est normal. Mon micro, bah c'est un bête micro-pied de Trust. Mais j'ai mis quelques effets dessus pour supprimer l'effet de souffle. Pour pas que vous entendiez mon PC qui... tout le temps derrière. Et pour éviter que vous entendiez trop la musique en double, en fait. Donc je me suis amusée dans OBS avec des petits réglages. Je crois que j'ai mis du gain, une suppression de bruit, un autre truc comme ça. Je peux le vous montrer. Voilà, j'enlève de son pied. Voilà, j'ai un bête micro. Autofocus, s'il te plaît. C'est marqué à l'envers, c'est normal. Parce que sinon, moi, je suis perturbée. Je vois ça, oui, je vois ça. C'est vrai qu'avec ce micro, j'ai l'avantage, il est assez près de moi. Il suffit que je m'éloigne et je crois que dès que je m'éloigne, on a l'impression d'une pièce vide. Mais je vous rassure, la pièce, elle n'est pas vide du tout. Donc voilà. Ça, c'est le micro que j'utilise principalement quand je ne joue pas. Quand je joue, bah, c'est avec micro casque. Oh, dessiner les cheveux un par un. Oh, ça, c'est mon trip. Ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas.
Ah bah du coup j'essaye en fait, j'essaye d'en vivre, mais pour l'instant, bon bah ça démarre doucement, on va dire. J'arrive à avoir quelques commandes par-ci par-là. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis plus à la recherche d'un job, on va dire, alimentaire. Ah ouais, vite, t'as vu ça? Je l'ai fait un par un. Hop. Ah bah pour l'instant, bof, pas tellement, puisque j'ai pas encore le bouton. Enfin, je l'ai pas encore mis le bouton des subs ni rien. Mais j'ai déjà eu des petits viewers qui m'ont aidé. Sachant que bah, voilà, tout l'argent que je gagne avec les dons, machin, je fais un max pour le remettre dans le stream, pour améliorer la qualité et tout. Pour les commandes, oui, ça me permet parfois de racheter du matériel. Donc là-dessus, je suis assez gâtée. Bah oui, j'aimerais bien le mettre, mais le souci, c'est comme je vis en Belgique, la loi belge, on a essayé de chercher des trucs là-dessus. Le stream, en fait, il faut être indépendant ou indépendant complémentaire pour pouvoir être complètement réglo pour l'instant. Parce qu'on a même posé des questions au niveau des trucs, des finances et tout, qui n'y connaissent rien. Il y en a peut-être un, surtout ceux qu'on a questionnés, qui savaient ce que c'était Twitch. Il faut expliquer, machin. C'est compliqué, quoi. Voilà, donc moi je veux bien le mettre, mais faudrait que je trouve au moins un job à mi-temps pour pouvoir payer les taxes. Qui nous prennent quand on est en tant que qu'indépendant, quoi. Parce que tu gagnes quelque chose ou pas, si je me souviens bien, c'est tous les 3 mois, t'as une histoire de 700 et quelques euros à payer en tant qu'indépendant. Ouais, il y a des Belges qui ont le bouton, hein. Maintenant, voilà, ils sont peut-être en tant qu'indépendants ou en semi-indépendants. Sir Thomas, c'est encore un peu différent. Sir Thomas est en indépendant complet. Donc voilà. Mais je sais pas comment ils font les autres non plus. Hein. Bah, j'ai déjà demandé en fait un avis. Ouais, je crois que nous, en tant qu'indépendants, je crois que niveau retraite, on n'a quasi rien. Je me demande même si on a quelque chose. Ouais, et moi, je pouvais éventuellement avoir un statut de salarié avec Smart. Smart.be, qui est quand même pas mal, parce que bah, voilà, j'avais un statut de salarié, donc je cotisais pour une retraite, machin et tout, pas de soucis. Mais aussi là, j'avais posé la question par rapport à Twitch. Et il ne savait pas non plus. Il ne savait pas encore quoi. Donc, toujours à grappiller les informations à gauche, à droite. Mais pour l'instant, le mieux à faire pour moi serait de me trouver un job à mi-temps. Au moins. Et voilà. Ouais, j'ai vu ça pour la neutralité lunettes. Ça fait peur. En tout cas, nous on est content en Belgique, ça passera pas. Parce que je crois que c'est dans la constitution ou dans les lois, et ça c'est beaucoup plus dur à faire changer.
Ou c'est en Europe? Je crois que c'est en Europe, non? Donc, en Europe, on est un peu plus calme là-dessus. Ouais, passer freelance, ouais, mais c'est la même chose que de me mettre à mon compte ici. J'ai pas les sous pour payer 700 et des tous les 3 mois. Parce que je les gagne déjà pas. Et je commence à ne plus avoir aucune réserve, donc. L'instant, c'est plus le job à mi-temps qui m'intéresse. Un petit job alimentaire, et comme ça, moi, je mets Twitch sur le côté et je suis pépère. Ici, non, non. Ici, non. Quoi qu'il arrive, c'est 700 aidés par tous les 3 mois, je crois. Non, nous, c'est pas en fonction de ce qu'on gagne. Non, non, nous, c'est. Voilà, quoi. Bienvenue en Belgique. Ouais, mais voilà. Lui qui s'amuse à changer de couleur. Ouais, le système est mal foutu. Ça, je ne te le dis pas. Mais bon. On va pas leur demander de changer, eux, ça les arrange. Hein. Y a plein que ça arrange. Ah ouais, c'est bien ça. Non, ici, c'est démerde-toi. Tu veux être indépendant, c'est très bien. Voilà, un droit autant. Voilà. Je vais te mettre. Voilà. J'espère que tu vas te calmer 10 minutes. Et si tu reviens, bah, on te raccompagnera à la porte. Gentiment, bien sûr. Ah, vous le connaissez déjà?
Alors, tu disais quoi? Émergage? J'en ai pas envie. J'ai pris pas mal la tête. Le système qui laisse pas les gens se lancer facilement. Non, c'est clair que pour se lancer, c'est la merde. Ouais, t'inquiète. Bah moi comme j'ai plus mon ancien Ankbot, j'ai pris Chatty. C'est pratique ce machin. Je peux choisir ce que je fais avec. Ah ouais, j'ai vu que toi t'as été carrément le ban derrière. Oh bon bah écoute. C'est bien chatty en fait finalement. Je clique sur un pseudo et paf! Je peux faire ce que je veux. Bah, généralement les trolls sont plus actifs en journée, c'est assez marrant ça. Je vais essayer de boire un petit peu mon lait chocolaté de ce matin. J'essaie de pas trop claquer ma cuillère parce que je sais que Imurga n'aime pas ça. Je sais pas si je vous avais montré. Un peu la voix qui part en couille. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, on le voit bien, ça va. J'ai un mug chat. J'ai un mug chat. Ils sont bérés. La patience, c'est moi. Ah oui, bah oui, voilà. J'avoue que je suis plus patiente. Ouais, bah ça dépend, et des fois il y a des trucs qui arrivent, bah oui, écoute, ça arrive, hein, les trolls, il y en aura partout, il y en a partout sur internet, donc sur Twitch, c'est pas étonnant, j'en ai beaucoup moins le soir, je trouve. Bon. Faut dire qu'il y a peut-être d'autres streams plus intéressants à troller. Oui, voilà, chez moi c'est beaucoup plus calme. Mais déjà, voilà, ils sont là. C'est quoi cette musique? C'est calme, ça bouge pas. Voilà. Et moi, je spot Scorpio dans la liste des spectateurs. Voilà. Pas trop boire non plus, parce qu'après, sinon, je vais encore être malade. C'est dingue, hein, je supporte plus rien, moi. Ah bon? Moi, tant que les personnes respectent les règles du chat, parce qu'il y en a, elles sont certainement affichées la première fois que vous venez sur le stream, ou les trucs comme ça, au niveau du chat, ou si vous parlez pas pendant trop de temps, je crois que ça pop, mais de toute façon, elles sont dans les infos en dessous, hein. Voilà. Et quand je joue, bah c'est pas de spoil. Mais en même temps, sur Stardew Valley, vous avez pas me spoiler. Hein. C'est déjà fait. Coucou Lionzek, comment ça va? Dire que normalement j'aurais dû manger le reste des pâtes hier, mais je me suis fait non, vu comment j'ai digéré, j'ai mis du temps à digérer ces pâtes. Oh, so non, les pâtes, ce sera pour ce soir. Par contre, je me suis permis, attention, ça va faire un peu de bruit. Je me suis permis de prendre ceci. Voilà. De temps en temps, j'en mangerai un, je partagerai un peu. Des petits biscuits.
C'est des biscuits apéro, mais je m'en fous, c'est des biscuits. Ça se mange. Là, je me suis amusée, j'ai mis les musiques de Noël. C'est bientôt Noël. Bon, ça va, j'arrive enfin à digérer. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, on est content. Fais comme nous, appelle le vie, c'est plus simple. J'ai carrément été jusqu'en bas en fait. Limo Trouscous. Ouais. Ah, carrément. Sympa. Oh, j'ai fait mauvaise touche. Ah, et pour ceux qui n'étaient pas là, je crois que c'est lundi, hein, je crois que j'ai live lundi, ouais, c'est pas grave. J'ai lancé ma candidature sur le concours PokéShop. Donc voilà, les résultats, ce sera le 30. Le 30 décembre, on aura les résultats. Comme je l'ai dit, je crois, la dernière fois, je ne serai peut-être pas les annoncer en direct. Donc, on verra dès que possible. On verra après la nouvelle année. C'est un concours en fait sur Facebook qui consistait à faire. Je crois que j'étais encore jusqu'au 24 pour y participer. J'avais fait un grand dessin avec tout plein de Pokémon qu'on a transformé en version chat. Ouais, Lionzak, je suis hyper heureuse de ma nouvelle tablette. Ouais, normalement j'ai enlevé le filtre donc je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer le dessin que j'ai fait. J'arrive à le choper, voilà. Donc voilà. Ça va, il n'y a pas le filtre bleu. Je vais voir si je peux essayer de vous montrer. Oh, je suis bête. Attendez, je vais vous montrer le scan. C'est encore mieux. Je vais vous montrer le scan. Ça, vous le verrez à l'écran.
canne. Voilà. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire. Il n'est pas parfait. Hein? Mais voilà, je me suis amusée avec de l'aquarelle et des marqueurs. Et normalement, si tu veux le lien pour le concours, tu tapes la commande point d'exclamation concours sans S normalement. Donc voilà. Je me suis un petit peu amusée. Voilà. Vous avez le lien normalement vers la page. Donc voilà. Avec un Pokémon chat, deux Pokémon chat, trois. Et 4. Voilà. Tout de suite plus facile à montrer à l'écran. Ah non, désolé, mais en fait j'ai quasiment pas su être sur mon PC cette semaine et même les semaines d'avant. Là je trouve que c'est déjà un miracle que j'arrive à tenir devant mon PC. Parce que d'habitude je suis en bas dans le salon avec le PC de mon chéri, mais je suis couchée dans le fauteuil. Donc j'ai des problèmes d'estomac ces derniers temps qui font que bah, je suis incapable de regarder quoi que ce soit très longtemps. Ou alors c'est que j'essaye de faire mes cartes de Noël. Parce que bon, bah voilà. Là qui attend mes cartes de Noël. Il m'en reste une à faire. Je ferai une photo et je les mettrai sur le Discord des cartes de Noël. Là, vous pourrez voir. Ouais, si tu sais partager sur Discord, c'est encore mieux. Comme ça, j'y ai accès en fait sur le PC de mon chéri. J'ai pas accès à tout une fois que je suis en bas. Non, elle n'est pas encore là, Octo. C'est vrai que ça m'intrigue. Bah, elle t'occupe à manger, à mon avis. Bah, je suis un peu fatiguée, mais voilà. Je suis toujours fatiguée. Hein. Puis c'est peut-être le bleu de la tablette qui aide aussi. C'est vrai que pour l'instant, le peu d'énergie que j'ai passe dans ma digestion. Donc pour ça que généralement il y a des lives qui sautent, comme je l'ai mis sur Facebook, des lives qui sautent, c'est normal, c'est en état de live. C'est pour ça que voilà, d'office demain il y aura pas de stream. On se croisera peut-être sur le stream de quelqu'un, mais moi je ne liverai pas parce que je suis un petit peu fatigué de temps en temps, beaucoup, la plupart du temps en fait. Oui, il écoute pancarte. Ouais, ça c'est Octo avec ses coups de pancarte. Ah oui, oui, j'ai une page Facebook. Normalement, t'as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Dans un des panneaux, t'as les liens utiles et t'auras Facebook, site internet et tout. Je crois que j'ai même laissé mon DeviantArt, mon Instagram. Je sais plus ce que j'ai foutu comme truc, mais voilà, j'ai mis un petit. Ouais, bah ça va, les préparatifs de Noël, en fait, nous, c'est déjà fait. Nous, c'est déjà fait, il n'y a plus que les courses, vraiment samedi. Les dernières courses, ce sera samedi. Mais sinon, tout est fait, les cadeaux sont emballés. Depuis un bon moment, d'ailleurs, et moi, ça m'ennuie parce que je veux les déballer. Je veux les déballer, mais je peux pas. Ils sont juste là en dessous, les cadeaux.
Déjà déballerai le 25. C'est pas gentil. Mais c'est comme ça. Ouais, c'est surtout, faut que je termine les cartes de Noël, quoi. Moi, je crois que je vais terminer la dernière. Oula, c'est trop ça. Faut encore que j'emballe mon cadeau d'anniversaire que mon chéri m'a offert. Je sais ce que c'est, mais je veux l'emballer. Juste pour le plaisir de le déballer. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, c'est normal. Y a pas à comprendre. Ça, c'est moi. Et ben, le 24 à minuit, coucou Aracania! Comment ça va? Bienvenue sur le stream. Ouais, encore vie. Moi, il y a certains cadeaux que je dois déballer en live. Donc, lundi 25 au soir. Merci, cher Luxembourg. Donc, le lundi 25 au soir, je vais déballer certains cadeaux. Donc, t'imagines, il y a certains, je dois tenir jusqu'au soir. Moi, ça va, ça va. On s'amuse. Dessine tranquillement. Installe-toi confortablement, Rakania. Il y a des plaids, il y a des cookies. Voilà. Bah nous, le repas de Noël, en fait, on le fait le 25, le 24 au soir. Enfin, on fait le repas du réveillon. Et le lendemain, bah, on digère. Le lendemain, on digère. On aura bouffé plein de crasse, plein de trucs. Plein de bons petits plats. Ce sera fait éclater la panse. Du moins, on va essayer. Commencer à poster un raisin. Ou les poster, ça c'est à toi de voir ce qui te plaît le plus. La seule chose que je peux dire, c'est fais quand même attention quand tu les postes, mets genre une petite marque, même en transparent, qu'on voit encore assez bien le dessin, mais qu'on voit que voilà, c'est à toi. Genre, bah moi je vais signer quelque part et par exemple sur un calque. Ah, je vais faire un autre calque. Là. Je vais marquer mon nom en grand, comme ça on va. Mais moi, ça c'est par pure paranoïa. On me vole mes dessins. Sinon, pour l'instant, je remarque que Facebook et ça pour commencer, moi je te conseillerais peut-être Instagram. C'est là où tu auras peut-être le plus de vues au départ. Mais Instagram, le truc, c'est que, bah, il faut... Ok, merci beaucoup d'être passé, fille. Bon après-midi, bonne fin de soirée, pour ce que... Des bisous, bonne fin de journée, et à bientôt. On se voit peut-être le 25, Nico, ou pas. Instagram est bien, parce que c'est ça, tu montres tes dessins... C'est plus difficile de choper le dessin en lui-même. Le truc, c'est qu'il faut être constant alors sur Instagram, parce que bah, bon, moi je continue à avoir des notifications qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, même si j'y suis plus.
Ok, merci d'être passé aussi, Charles. Des bisous et à bientôt. Sinon, bah, Facebook est quand même pas mal. Moi, j'aime bien Facebook. Même si, bon, bah, on a tendance à dire oui, Facebook va commencer à mourir tout doucement. C'est possible. Il y a Tumblr qui est aussi pas mal. C'est une sorte de blog. Où tu peux poster tout ce que tu veux. Tout dépend de ce que le média avec lequel tu es le plus à l'aise. Je sais que Instagram, c'est beaucoup beaucoup de hashtags. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, ça va, je vais garder des couleurs, c'est bien. Non, le mien. Sir Thomas, le 24. Il stream pas le lundi. Il me faut un doute maintenant. Oui, non, non, le 25, c'est moi. Le 25, c'est lundi. Sir Thomas, c'est le 24. C'est un des rares que je vais devoir regarder en... Ah, DeviantArt, c'est bien aussi. Hein. C'est vrai que moi, j'en ai tellement que du coup, ben, il y en a certains qui ne sont pas à jour. Mais gardant au moins maximum 2. Après, bon, si t'as plus de temps pour les gérer, ça va. Si comme moi, t'as pas beaucoup de temps pour les gérer, là, j'ai quoi? J'ai mon site internet, j'ai Facebook, j'ai tout. Bye bye, vie! Des bisous, à bientôt! Voilà quoi. J'ai pas beaucoup de temps, d'autant plus maintenant pour l'instant que je suis pas en meilleure forme donc. Maintenant, si tu as dans le but d'en faire l'activité professionnelle, le mieux c'est d'avoir un portfolio. Maintenant, tu peux utiliser DeviantArt comme portfolio, mais certains diront que bah, c'est plus professionnel d'avoir un site internet. Moi, je l'ai fait parce que, bah, en tant que web designer, je suis un petit peu. J'ai pas compris ce que j'ai fait, c'est pas grave. Utile aussi. Enfin, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, si je peux y répondre, je le fais. Studio Paint, non, ça j'ai pas encore utilisé. Moi je suis pour l'instant avec beaucoup de logiciels gratuits pour un maximum de choses. Maintenant, bon, bah j'ai Photoshop, Illustrator. Illustrator pour les emotes Twitch, c'est excellent. C'est ce qui marche le mieux en fait. Mais là, je suis sur Krita. Krita, qui est très 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 bien comme programme de dessin. On peut faire un peu de photomontage avec.
il n'est pas encore trop difficile à prendre en main, je trouve. Oh, non, pas ça que je voulais. Je crois que si tu as besoin de beaucoup plus de détails sur Krita, tu peux demander à Emurga en fait. Oui, j'utilise la houillonne en ce moment même. Et franchement, elle est géniale. Elle est géniale. J'ai du mal à me dire que j'ai hésité longtemps en fait, parce que je me suis dit ouais mais je suis bien avec ma vieille tablette Wacom que j'avais depuis plus de 6 ans. Oui, le souci de prise ça a été, on a fini par trouver une alternative. Donc on a commandé sur Amazon 5 € une prise de courant européenne. Mais voilà. Parce que Wion s'est gouré dans la commande en me l'envoyant, ils m'ont envoyé une prise américaine. Ouais, non, j'en rigole, mais je crois que sur la vidéo, je crois que ça se voit, je suis dégoûtée. Mais bon, voilà, je crois qu'en fait, si je leur avais demandé de me renvoyer le bazar, je crois que ça m'aurait coûté beaucoup plus. Ça aurait été beaucoup. J'aurais attendu énormément de temps déjà. Parce que la tablette vient quand même d'Hong Kong, hein. Elle vient quand même de loin. Mais elle est arrivée nickel. J'ai même gagné deux petites planches en carton bois. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais Emurga pourra peut-être le dire en regardant la vidéo. Emurga, il sait beaucoup de choses. Alors voilà, j'ai même gagné deux petits trucs sur lesquels je vais pouvoir dessiner, donc je suis contente. Voilà. Mais je savais déjà à quoi m'attendre de toute façon quand je l'ai commandé. Je l'ai commandé parce que je savais à quoi m'attendre plus ou moins. Et je décolle pas en fait. Je l'adore cette tablette. Attends, Emurga, je vais les montrer. J'ai reçu des espèces de cartons avec. C'est ça. C'est des espèces de plaques en bois. Délivrées avec. C'est épais comme... Et ça fait moins de 5 mm d'épaisseur. Mais... Voilà quoi. Bon, les petites Wacom, elles sont bien. Coucou Pearl Twitch, comment ça va? Bienvenue. Je suis à côté de mon PC, ça ne va pas. On va prendre cette teinte là. J'ai pas besoin de... Passer un petit peu au-dessus des très foncés. Je vais même créer un nouveau calque et on va sauvegarder. Ah oui, bon, c'était d'office pour la protection parce que bon, bah, comme c'est mis dans la vidéo, j'ai eu beaucoup de protection pour protéger la tablette. J'en ai même un qui pourrait servir de panier à chat. Il manque plus que le chat dedans. Donc voilà.
Bah, techniquement, je pourrais mettre un chat dedans. J'ai des chats en plus. Hein. Je mets le chat en peluche, en dessous du sapin, dans la boîte, et je ferai une photo. Ah, c'est une bonne idée, ça. Bah, je dessine en fait depuis que je suis toute petite, en fait. J'ai la folie du dessin depuis que je suis toute petite. Ça a commencé avec ma mère qui dessinait, moi je fais, oh, je veux faire pareil. Mon grand frère, il a commencé à dessiner, bah je sais pas, j'aime bien. J'ai commencé à dessiner et j'ai jamais vraiment arrêté, à part pendant les dernières années de mes études où j'ai eu un peu de mal à reprendre le dessin. Mais voilà, je dessine depuis que je suis petite. Et je cherche toujours à améliorer mes techniques, hein, que ce soit en regardant des vidéos, en suivant des tutoriels. J'ai pris des cours pour m'aider à dessiner plus grand. Parce qu'avant, je dessinais des trucs rikiki sur une grande feuille. Mais sinon, c'est tout. Hein. Je dessine de moi-même. Bon, j'ai un petit peu pris des cours pour apprendre tout ce qui était un peu anatomie, tout le bazar, mais ça, c'était dans mes études. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument faire des études, machin, pour dessiner? Non. Est-ce qu'il faut avoir un don? Non. Faut avoir la passion, l'envie et la patience, en fait, principalement. Mais ceci, ah, on y voit déjà un peu plus clair. Surtout, beaucoup de patience. Si vous êtes comme moi, vous adorez faire les cheveux. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hey, coucou Octo! T'as presque réussi à me faire sursauter. Presque. Comment ça va, Octo? Ah, tu sors de table. Bien mangé? Fatigué. Fatigué, mais ça va, ça va. C'est le temps aussi, hein. Ah, oh, des galettes. Ah, oh, moi ça change pas, j'ai toujours envie d'un bon gros durum. Avec des frites et des poulets croques et des légumes. Et... Alors, rien que d'en parler, j'ai faim, mais je sais que je ne vais pas digérer. Alors je vais pas manger des masses. Bien sûr, je mange quand même. Des trucs moins gras, on va dire. Et donc voilà, Octo, tu peux voir avec la nouvelle tablette ce que ça donne.
prendre un petit biscuit, je vous en propose. À faire. Allez. Allez-y, prenez. Regardez, les gens qui c'est des petits biscuits apéro. Servez-vous. Voilà, c'est bien. La vôtre. Bah, parce que Legolas, il est blond, non? Le personnage. L'acteur de base, il est pas blond. Ah, c'est très inspiré de Legolas. C'est bon ce petit biscuit. Ouais, je sais pourquoi. Il y a un souci avec ces biscuits. C'est tellement bon que un, ça suffit pas. Donc j'ouvre le paquet un peu plus grand. Et je vais en prendre encore un. C'est pas que je suis en manque de biscuits, c'est que ça, je sais que je vais pouvoir digérer si je les mange doucement. En plus, c'est trop bon. C'est trop bon. Moi, tu mets, c'est des petits biscuits quand même, on trempe dans des trucs genre tapenade, des trucs comme ça. Mais même comme ça, moi, j'aime bien. Des picoches. Non, Franck, pas. Je crois que je vais quand même en laisser quelques-uns. J'aurais pas de soucis avec mon estomac. Je t'aurais dit que t'aurais raison. Mais là, il va y en rester. Cheveux, ils partent de quelque part. Hein. Pas qu'il lui arrive en plein milieu de l'oreille. Même avec deux, c'est pas assez. Il en faut encore. C'est trop bon, ce petit biscuit. Je sais même plus où est-ce qu'on les avait téléchargés.
Ouais, pour Noël, on a des apéricubes. Ça aussi, c'est bon. Apéricubes au saumon. Parti, je parle de bouffe. Après le couscous, après le couscous, le durum, on part dans les fromages. Tu m'étonnes, Octo, mais pas plus que moi. Moi d'abord. Je veux ouvrir mes cadeaux. Non, je finirai pas le paquet. Il y en a trop. Il y en aurait moins peut-être, mais là. Ça, je ne sais pas, Octo. J'ai pas encore emballé mon cadeau d'anniversaire, ça ne va pas. Chouchou devait le faire, mais il a la flemme. Et comme j'ai dit que j'allais le faire, moi j'adore emballer les trucs. D'ailleurs, il a reçu un colis aujourd'hui. Je meurs d'envie de lui faire une blague et de l'emballer. M'attends pas, Octo. Je suis à deux doigts de le faire. Crois qu'après le stream, si j'ai encore assez de force, je ferai une sieste. Déjà. Non, j'emballerai mes cadeaux. J'emballerai mon cadeau, j'emballerai le sien. J'emballerai son colis. Puis je fais une sieste. C'est dingue, avant j'arrivais pas à faire de sieste. Et depuis quelques temps, ça marche tout seul, ça fait du bien. Avant je faisais une sieste, j'étais malade. Maintenant il n'y a plus de problème. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que j'emballe le cadeau ou pas? Est-ce que j'emballe le colis ou pas? Ah, ça fait deux votes.
Bon, je sens que je vais devoir emballer. Je sais pas pourquoi. Il va râler. Ah, et Murga est contre. Quoi, était contre aussi le stream raclette, c'est ça, de chez Scorpio? Parce que bon, bah les gens ont beau voter pour le stream raclette chez Scorpio, et il veut pas, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis gouré de lettres. J'ai fait CTRL Z au lieu de CTRL S. Ça arrive. Alors, on va choisir une autre brush. C'est pas faux, Octo. Coucou Mélugène, comment ça va? Bon, encore un biscuit. C'est cool ça. T'as encore des cartes à faire? Tu passes à autre chose? C'est vrai qu'on arrive vraiment à la fin de la période de Noël, donc à un moment. Ok, merci Lionzak, j'irai voir ça. Ah, pour janvier et février. Ah oui, février avec la fête des amours, des amoureux. Ouais, cool. Moi, faut que je termine mes propres. J'ai encore plus qu'une carte de Noël à terminer. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal aujourd'hui. Enfin, cette année, j'ai du mal, mais.
Et t'es pas bien non plus, donc. Qui explique cela? Ouais, ça marche pas. Ça marche. Ah, pour anniversaire. Ah, c'est vrai qu'avec la Saint-Valentin, ça va peut-être partir comme des petits pains, tes cartes. Ah si. Ah non. Ok, pas de soucis. Une couleur un peu plus dorée. Alors, mais en photo, je change moi-même. Je fais ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien comme ça. Ici. Je vais chercher une gomme. Ok, dans ce cas, petite sauvegarde s'impose. Boire un coup parce que sinon je vais me remanger avec lui. Ah, l'anatomie, c'est pas facile. Mais je vous avoue que j'ai énormément de mal aussi, hein. Mais c'est question de pratique, encore et toujours. Et le mieux, c'est de chercher des modèles photos de gens réels pour les poses. Parce que se baser sur les dessins de quelqu'un, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Du moins pour apprendre.
Maintenant, je m'étais dit que peut-être l'année prochaine, donc je ferai peut-être l'année prochaine, je changerai peut-être un petit peu le programme du stream. Et peut-être faire de temps en temps des petits. Ah bah écoute, les cours vont t'aider, hein. Moi, ça m'a aidé pendant un moment. Je détestais ces cours-là. Hein. C'était, on devait. Il y en avait un ou deux qui posaient, bah, on devait les dessiner, machin. Je détestais ce cours, mais principalement, bon, bah. J'aimais pas trop le prof, en fait. Sinon, le cours en lui-même ne me dérangeait pas. Mais. Ça m'a quand même aidé. Quand je regarde, je vais essayer de les récupérer parce que mes carnets croquis sont à Bruxelles. Je vais essayer de les récupérer et je vous montrerai les débuts des cours et jusqu'à la fin des carnets. Moi, j'en ai deux. Donc voilà. Bah écoute, tant que ça t'aide et que, et que ça te fait progresser, il n'y a pas de souci, hein. Moi aussi, je regarde pas mal de vidéos. Voilà. Mais ce que j'avais aussi dans l'idée, c'était de faire genre pendant un live, vous montrer un peu comment moi je vois ma manière de procéder un petit peu. Donc je prends une photo, je redessine un petit peu le personnage, quoi. Ouais, les carnets de croquis, je vais essayer de les récupérer. Le problème, c'est que pour l'instant, ils sont encore à Bruxelles. Et j'ai pas l'occasion de passer à Bruxelles actuellement. Je vais aller chercher. Je crois que c'est une des seules choses qui me manque, c'est mes carnets de croquis. Je vais les avoir, je vais les ranger dans une boîte, hein, mais je les veux. Ok, les cheveux, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Alors. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Après, j'améliore ses manchettes, la ceinture. Je devrais peut-être détailler un peu plus la tunique. Faut qu'elle me plaît comme elle est. Les yeux, c'est fait. Il faudrait que je fasse la flèche, l'arc et la cape. Bonne question, Octo. Ah bah voilà, Mélujène, Octo, t'as répondu. C'est la rewards que j'ai fait pour Franck. Que je fais, parce que j'ai pas encore fini. Donc voilà. Ah bah voilà. Voilà, t'as ta réponse. Donc voilà, il manque l'arc qui passe par ici. La flèche, et il y a la cape qui vient ici derrière. Je vais regarder un petit peu le dessin ensemble. Maintenant, il paraît qu'il y a certains jeux qui se jouent à la tablette. Hein. J'entends parler, je parle de Ousso, je crois. C'est un jeu qui se joue à la tablette. Moi, je trouve que tu abîmes ta tablette avec celui-là. C'était plus un OC qu'on avait dessiné. On avait décidé. Plus un original character. Alors, je vais m'occuper, à mon avis, de la. Ouais, de la flèche. Hop. Ok. Thank you.
Que tu avais une tablette. Alors, du coup, ça c'est quoi? Parce que j'ai un calque, je ne sais plus à quoi il sert. Il sert à rien. Ok. T'avais mis laquelle Octo en favori? Ah oui, mais non. Si je me gourre de brush, c'est normal que ça efface. J'ai pas pris la bonne brush. Ah, une d'entrée de gamme, bah ouais. Bah écoute, celle que. Ah, mais pardon. C'est pas grave. Celle que tu m'avais montrée, là où tu faisais un truc sur papier et que ça. Ça enregistrait le bazar, elle m'a l'air pas mal, hein. Que ça portait le truc sur PC, elle a l'air cool. Ça te permettrait de faire les deux du coup, et papier et PC. Ah, si tu cherches un bon logiciel de dessin, celui que j'ai, nickel. Il est gratos. Autre chose à ne pas négliger, il est gratos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Voilà. Or, une ligne bien droite parce que c'est une flèche en bois. Pas exagéré non plus. Hein? Voilà. Moi, j'utilise comme logiciel de dessin Krita. Krita. Il est gratos et il est superbe. Ouais, franchement, voilà. Elle était bien la tablette que tu m'avais montrée. En plus, les frais de port étaient beaucoup moindres, puisqu'il me semble que c'était français, donc. Comme dirait Sir Thomas, à la française. C'est pas grave. Je cherchais un truc, mais c'est pas grave. On va récupérer les brushes. Et laquelle? J'ai toujours la même. Oui, ok, c'est bon. Ah, ah bah en effet. C'est vrai que oui, le PC c'est plus important. Bah, moi je trouve Photoshop, j'ai regardé les prix, c'est pas donné, hein. Selon la licence qu'on utilise, hein. Je crois qu'il y a différents types de licences, mais c'est pas toujours donné non plus. C'est pour ça que bon, bah, moi dès que je peux avoir un truc gratuit qui fait le même job, moi je fonce. Ah, moi j'avais vu plus. Moi par contre c'était un logiciel de. Ah, c'est celui que j'ai en plus. C'est le logiciel de montage vidéo que j'ai. Je l'avais en version d'essai, puisque maintenant la version d'essai est terminée. Vous voulez savoir le prix de la licence? Je crois que c'est à l'année. C'était une histoire de 700 euros.
Mais est-ce que je ne sais plus si est-ce qu'on l'avait définitivement ou c'était à l'année. Mais ça fait cher, 700 balles, hein? Bah, le souci, Lyonzek, c'est qu'à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent, les trucs gratos, enfin genre les trucs craqués, c'est pas l'idéal. Parce que si ça te tombe dessus, oh, faut que ça te tombe dessus aussi, hein. D'accord, mais j'obsessais. Gratuitement. Moi, la version de Photoshop, moi j'ai remis pour l'instant, pour ce que je l'utilise, il y a très 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 peu, j'ai une version, je crois que c'est CS5, j'ai réussi à choper celle-là. Mais sinon, Illustrator, c'est la dernière. Ah oui, voilà, mais tu as que deux programmes. Maintenant, si tu as besoin de certains autres programmes, tu dois payer et à la fin, voilà quoi. Généralement, bon, moi j'utilise pour l'instant principalement Illustrator. Et Photoshop, voilà, pendant tout un temps, je devais utiliser presque une bonne partie de la suite Adobe. Et imagine si j'avais. Si je devais avoir payé pour ça. Heureusement que c'était pendant mes études, quoi. C'est vrai que c'est mal de craquer des trucs, mais quand tu vois que, bon, pour Adobe, il me semble que c'est eux-mêmes qui fournissent les cracks au bout d'un moment. Donc. Justement, ça les aide parce que ça fait en sorte que ben, les gens ils se familiarisent avec le logiciel et puis après, une fois qu'ils l'utilisent de façon professionnelle, ils sont obligés de payer. C'est pas faux, Octo. Maintenant, si vous, voilà, si vous voulez utiliser de façon professionnelle un logiciel de dessin, moi je peux vous conseiller Krita. C'est Emurga qui m'a converti à Krita. Moi j'utilisais encore un autre logiciel craqué. Finalement, j'ai décroché de l'autre, j'ai pris Krita et il est excellent. Et on peut faire de la légère retouche photo avec. Il faut juste s'habituer parce que c'est pas Photoshop. Juste s'habituer au logiciel, ça va vite. Ah oui, si vous voulez vous amuser sur le chat, bah à partir du moment où vous faites gagne de l'argent avec un logiciel craqué, si jamais ça d'une manière ou d'une autre ils savent prouver que tu as utilisé un logiciel craqué, ils vont te faire casquer à l'arrière après. C'est comme Windows pour les entreprises. S'ils découvrent qu'une entreprise gagne beaucoup d'argent, machin, elle a craqué Windows, qu'est-ce qu'ils vont venir derrière, hein? Oui, voilà, quand on. C'est pour ça que ils ont. Ils vont pas aller chez les petits étudiants qui craquent le logiciel pour l'utiliser pour eux. Hein. Ça leur rapportera pas d'argent, au contraire, ça va le plus leur en coûter qu'autre chose. Donc ils regardent à qui ils vont aller réclamer, c'est tout. Non, tu mets ça parfois. Si on peut acheter. Ouais, bah voilà, moi je l'ai utilisé pendant mes études parce que j'avais pas le choix. J'arrivais, je pouvais pas payer, c'était hors de question. Bon, t'avais le prof qui fournissait lui-même le crack et tout.
il paraît que je tombe pas à le lire. Maintenant, je sais pas s'ils font. Ouais. Mais c'est comme ça, hein. C'est. J'avoue que pour certaines licences, parfois c'est quand même un peu abusé. Pas forcément que Adobe. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais quand même pas aussi gros. Ouais, c'est vrai qu'aussi. On devrait pouvoir acheter le logiciel. Et quitte à ne pas faire de mise à jour, machin, et se contenter du truc, parce que bah. Moi, Photoshop CS5, il fonctionne encore très très bien. Ah oui, j'ai pas les dernières fonctionnalités, mais quand on n'a pas besoin. Bon, maintenant tout pousse à faire absolument. Ah oui, mais vous économiserez plus, machin. Mais en fait, à la longue, non. Voilà. Et en plus, Krita n'est pas gourmand, hein, Octo. Et la toute dernière version est hyper fluide. Ouais, aussi une version live gratuite, ce serait pas mal aussi. C'est que c'est pas de payer au mois, c'est de payer un logiciel. Où est l'économie? Ah, il n'y en a pas après 10 ans de location. Tu l'aurais acheté de base, enfin, t'aurais la possibilité de l'acheter. Là, t'aurais fait des économies à la longue. Aussi, Emuria. C'est vrai que ouais, certains logiciels open source, donc gratuits pour la plupart, ils sont devenus pas mal. Par rapport à ça, Emuria, je dirais que c'est une question d'habitude en fait. Il y en a beaucoup qui, bah voilà, moi j'ai beaucoup travaillé avec Photoshop dans le passé et passé à autre chose. C'est extrêmement dur, j'avoue. Ah non, je crois que Octo et WoW, ça fera 36. Je crois que Octo ne joue pas à WoW. Moi, j'y ai joué. J'y ai joué il y a un petit temps. Je crois que c'était il y a 2 ans. On n'a juste pas renouvelé. Même si récemment, mon chéri, il était tenté. Mais je crois qu'il va attendre. Il va tester les PC Shadow là. Ce dont on parle en ce moment. Ne me demandez pas, j'y connais pas grand-chose. Et il va essayer d'avoir PUBG, comme ça il pourra venir jouer avec Sir Thomas. Parce qu'il en meurt d'envie, hein. Mais il peut pas avec le PC actuel. Oui, c'est vrai que quand tu travailles sur un outil pendant autant d'années, pendant autant de temps, t'as du mal à en changer après. Et l'avantage qu'a Photoshop et machin et les trucs Adobe, généralement, c'est qu'ils sont assez intuitifs. Et quand tu passes de ça à genre, bah voilà, moi je suis passé de Photoshop à un autre
Donc j'ai essayé de passer de Illustrator à Inkscape. Je ne savais absolument pas où est-ce que j'étais quand je suis arrivée sur Inkscape, qui est une version gratuite, qui est l'équivalent de l'Illustrator, mais en version gratuite. Mais moi, franchement, voilà, Inkscape, j'ai pas accroché. J'arrive pas. C'est pour ça que je suis revenue à Illustrator. Ah, franchement, Krita, voilà, moi, il est nickel. Hein. Et il a beaucoup, 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 beaucoup de similitudes avec Photoshop. Donc. De quoi vous parlez, Octo? Bah wow, pour l'instant, ça repart. Hein. C'est juste que tant d'avoir le nouveau patch, dès qu'il y aura le nouveau patch, il y aura de nouveau plein de gens dessus. Moi j'ai commencé avec Légion, mais j'avais déjà tous les autres packs avec. Donc, voilà. Ah, je sais pas, moi je. Voilà. Bah, franchement, voilà, j'ai Illustrator le dernier. C'est, je crois que c'est 2000. Ou je l'ai 2014? Je sais plus. Bah, j'ai une des dernières versions d'Illustrator et franchement, il est génial. Mais. J'ai pas les sous pour payer. Ah, moi principalement c'est bah, on a arrêté parce que bon bah, voilà, on voulait passer un peu à autre chose mais... parce que bon bah, j'ai eu un moment où j'avais plus envie de jouer à WoW. Moi ça c'est personnel. Donc, voilà, ça a rien à voir là-dedans. Mais sinon WoW il est pas mal. J'aurais jamais cru dire ça un jour. De toute façon, voilà, en attendant la nouvelle version de WoW, il faut tous vous mettre à Stardew Valley. C'est génial et le mode multi, il arrive en janvier. Venez élever des cochons, des vaches, des moutes-moutes, des lapins, des poulets et... Venez vivre une vie d'agriculteur. C'est génial. Oui, voilà, chacun ses goûts. Il y en a qui n'aiment pas WoW, il y en a qui aiment Terra Online. Qui, voilà. Il y a de tout. Hein. Il y a Octo. Octo est lancé. Voilà, c'est une question de goût. Il y en a des qui n'aiment pas WoW, il y en a qui n'aiment pas Stardew, machin. Voilà, chacun ses goûts. Voilà, respectez peut-être juste les goûts des autres. Voilà, tout le monde n'aime pas la même chose, mais c'est normal. Ce serait triste. Et commander. Il est payant Terra Online maintenant? Non, il y a un... Il est gratuit, Terra. Moi, j'y ai joué aussi à Terra. Ça m'a gavé au bout d'un an ou deux.
J'aimais bien essayer les classes. J'avais une jolie petite sorcière. Pour la flèche, c'est fait. Ah, quand il est sorti, il était payant. Ah oui, moi je l'ai pris quand il était free to play. Dès qu'il est passé free, dès qu'il est passé gratos, je l'ai pris. Ah ouais, les Murlocs. Ils sont trop terribles, les Murlocs. Et rigolez pas, moi je suis dans la guilde des Murlocs. Attends, Murga, ça va venir. Ouais, ça, généralement, c'est plus le soir hein, qu'elle fait ça. Ouais, le bruit des Murlocs, il est génial. Ok, on peut reprendre la broche maintenant et aller combler les trous. De toute façon, pour les MMORPG, il faut le temps. Il faut le temps d'y jouer. Si vous n'avez pas le temps, ça ne sert à rien. Voilà. Tu vois, Murga, elle a fini par attacher quelqu'un, toi. On sauvegarde. Toujours sauvegarder. Et les biscuits, ils me narguent, ils me font mange-moi, mange-moi. Biscuits, ils m'appellent les biscuits. Allez, reprenez un biscuit aussi, comme ça je suis pas toute seule. Allez-y. Prenez un biscuit. Divinité Originacine, c'est le docteur? Normalement, oui. Moi je l'ai aussi, il est génial ce jeu, mais c'est vrai que j'ai pas le temps d'y jouer. Et comme il prend énormément de place pour l'instant, et que j'ai pas énormément de place sur mes disques durs, j'ai dû le désinstaller, mais dès que je le peux, je le réinstallerai. Elle n'est pas posée sur le doigt. C'est le bout de... toute façon, c'est pas grave, c'est dégueulasse. Dégueulasse, il peut tout faire. Moi, l'arc, il est où? Mais non, il y en a encore plein, les biscuits. Je vais sauvegarder.
Et puis il ne tire pas vraiment encore l'arc, hein. Il prépare sa flèche, il vise, il menace. C'est bon ces petits biscuits. Faudrait que je m'occupe des ombres de la flèche. Celle du machin là. Les petites plumes. Et là, faut que j'efface. Faut que je réfléchisse bien. Quel sens est le bazar? Mur fait comme ça. Octo, elle aime pas les dolasses. Ok, il n'y a pas de souci, Lion Zach. Merci d'être passé et des bisous. Cette zone ici. Et sombre. J'ai une zone ici un peu comme ça. Alors, on va prendre une broche. On va prendre laquelle? On va prendre celle-là. Je vais regarder un petit peu les différentes broches que j'ai.
comme ça. Et maintenant, je vais aller chercher un truc pour flouter le bazar. On va prendre la même, on a la même couleur. Prendre, pardon, une petite broche tranquille, pépère. Moi, je peux essayer celle-là pour une fois. Ce qui est bien, c'est qu'avec cela, je peux directement flouter. C'est cool. On va enlever cette partie ici. Allez, tourne. Non, tourne. Voilà. Et on sauvegarde. C'est mieux comme ça. Et on sauvegarde. Voilà. Ça fait combien de temps? Pardon. Voilà. J'avais dit que j'allais être l'hiver 3 heures.
Enfin, j'aurai un petit peu le temps d'aller un petit peu emballer les derniers cadeaux à faire. Et puis aller me reposer un peu parce que ces derniers temps, je ne suis pas encore tout à fait bien. Donc, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. Je vais. Normalement, ça passe. Ouais, c'est bon. On descend un peu la caméra, du coup. Voilà. Voilà, je vais remercier tout le monde d'être passé. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se voit lundi. Parce que demain, il n'y a pas de stream. Je vais prendre ma journée demain. Et ma soirée. Être un petit peu avec mon chéri et un petit peu me reposer avant les grosses festivités de Noël. Donc on se retrouvera le 25 pour du déballage cadeau et un peu de jeu. Je vous fais en attendant tout plein de gros bisous. Passez un bon Noël et on se retrouve le 25. Des bisous! Bye bye et merci encore d'être passé. Bon week-end, bon Noël, et on se retrouve lundi.